Mon travail, c'est donc, on me confie des négatifs des photographes et je dois réaliser des tirages. Donc j'ai eu la chance de travailler pour beaucoup de gens dont j'aimais le travail, pour des gens comme Douaneau, comme Booba ou Ironis, et Malik en fait partie, quoi. Moi, j'ai eu l'occasion de voir son studio et je reconnais le sol à carreaux, les rayures sur le tissu. Et puis il y avait des accessoires et c'est vrai que dans les studios photo, l'accessoire faisait partie de ce qu'on devait fournir aux modèles. Donc il y avait des lunettes qui n'avaient pas de verre ou un chapeau, voilà, des lunettes, des costumes, etc. Et donc je n'ai pas été surpris de savoir que Malik Sidibé venait toucher son modèle pour le mettre dans la bonne position, l'inclinaison du corps, un geste, etc. Et c'était une manière de détendre le modèle, de le mettre à l'aise, de blaguer avec lui. Et alors il avait cette formule que j'ai entendue plusieurs fois dans ses interviews, il dit « il y a même des femmes qui se parfumaient avant que je les photographie ». Venir chez Malik, c'était pas venir chez Photomaton, c'était vraiment une expérience. Donc c'était un monsieur qui était d'un contact tout à fait sympathique, dont j'aimais le travail.